L'Orchestre symphonique de Montréal présente Atmosphère d'Halloween. On le voit-tu que c'est un violoncelle? C'est un violoncelle. Au menu, Atmosphère de Ligeti. Kubrick a déjà utilisé cette musique dans son chef-d'œuvre 2001 Odyssée de l'espace. L'apprenti sorcier de Dukas, Totentanz de Liszt, le concerto pour la main gauche de Ravel. Ravel avait écrit une pièce pour un de ses amis pianistes qui avait perdu le bras droit pendant la Première Guerre mondiale. Il lui a écrit un concerto pour la main gauche. Et finalement, la pièce la plus étrange, le mandarin merveilleux de Bartok. L'œuvre avait été critiquée pour son caractère choquant, voire sexuel. Le clergé, les spectateurs et les critiques ont manifesté pour interdire toute représentation. C'est l'histoire d'une jeune fille perdue, la clarinette, que trois malfrats, les cordes. Les cordes poussent à séduire des hommes pour ensuite les voler. L'une des victimes, le fameux mandarin, les cuivres, tombe amoureux de la jeune fille jusqu'à s'y perdre corps et âme. Pendant le concert, observez et écoutez bien l'interaction entre les musiciens. Vous voilà prêts? Alors, sur ce, bon concert.